Essai crash test 2.0. On va faire un effet là, pour voir. Parce que le Black Mamba a été révisé, d'accord? Pour la troisième fois en fait. Et donc, bon, j'ai fait des essais hein, chez le facteur d'instrument, et je sais déjà que ça marche. C'est un peu compliqué à régler l'anche parce que c'est une grosse ouverture. C'est un bec auto-link d'une ouverture 9. Et bon, c'est du gros. Donc, c'est beaucoup plus compliqué à régler. Pourquoi du 9? Et ben du 9 parce que ça donne de l'amplitude. On a un son beaucoup plus ample, plus bas, quand on fait un si bémol. D'ailleurs, je vais vous en faire un. Vous allez voir tout de suite. Dans un sifflement, je sais pas si vous vous rappelez. Hein, ça c'est réglé, hein, réglé. Franchement, mais il a été vraiment bien réglé. Hein. Là, je dois dire, si vous voulez les coordonnées, enfin c'est un mec de Brest en France. Il dit ça pour tout le monde. Mais si vous voulez les coordonnées, envoyez-moi un MP, un message. En privé, avec vos coordonnées, moi je vous envoie l'adresse. Parce que franchement, c'est quelqu'un de. Enfin, moi j'appelle ça un magicien, mais bon. Ça siffle un peu. Bah, elle est froide. Thank you.
Ça s'appelle L'Or de Porian. Vous pouvez remonter dans les trucs, vous pouvez écouter. En fait, c'était du free jazz et tout se passait sur une seule note, la note de démarrage. Et après, on est parti pendant 7 minutes en improvisation constante, en interaction free jazz, sans contrainte, sans rien, juste réagir à ce qu'on entendait. Et tout était démarré par rapport à cette note-là. Le si bémol magistral. Je vous présente le Black Mamba. Black Mamba, Black Mamba. L'empereur, le Kaiser. On va faire sonner le Kaiser.
Ce que je veux. Je sors des notes qui sont pas dedans. Mais et il marche, hein. J'ai essayé de le faire siffler. Bon, à part au tout début, il a sifflé deux fois, ça, mais c'est parce que l'anche n'était pas encore chaude. Le bec, tout ça, je veux dire, c'est. Faut que ça se mette en place. Il faut qu'il y ait une chaleur qui se diffuse là dans l'anche, ça l'assouplit en fait. Et puis le bec. Donc après, une fois qu'il est monté en température, c'est la mienne, quoi. Ça passe dans le bocal. Et ça va plus jusque là. Hein. Mais bon, ça se diffuse. Et alors après. Cette chaleur-là, elle est transmise au cuir des tampons, hein, parce que c'est des tampons en cuir, hein, tous les plateaux, tout ça, c'est un tampon en cuir, alors en cuir un peu spécial. Donc, eux, c'est pareil, ils gagnent en souplesse, bien qu'ils soient déjà excessivement souples. Mais bon, ils y gagnent encore plus. Après, tout ça, ça se met en place. Et ce qui fait que après, quand je fais des doigtés improbables, des trucs qui n'existent pas, mais ça sort des sons et finalement, en faisant des combinaisons de doigts, on peut récupérer les mêmes sons. Et alors ça, mélangé aux notes qu'on est en train de jouer. Ça enrichit le jeu d'une façon colossale, quoi. Et en faisant des notes intermédiaires et tout ça sur des gimmicks et des trucs. Enfin bon, voilà, c'est infini les possibilités. Et tout ça, c'est fait de façon naturelle. Hein. Ouais, vous avez vu, ouais. J'ai fait ça, il n'y a rien, il n'y a pas de matos, il n'y a pas de machin. Micro, ouais, c'est le Galaxy S6. Il a un son qui est pas si mal que ça, c'est pour ça que je vous publie tous les trucs. Hein. Mais autrement, voilà, hein. il y a personne. Bon, il y en a qui m'ont pris la tête, là, ils disent ouais, ça serait vachement bien si tu jouais avec un backing track. Non. Enfin bon, pour ma conseil, c'est sûr que ça serait mieux. Ça serait mieux juste pour vous. Parce que comme ça, l'écoute, ouais, tout machin, l'ambiance et tout. Mais c'est pas ce que je cherche à faire. Moi, ce que je cherche à faire, c'est jouer. Jouer, la musique à l'état pur. Le tempo, il est dans ma tête. Les arrangements, tout ça, la ligne de basse, les trucs, les machins, tout ça, c'est dans ma tête. Et moi, je joue. Et théoriquement,
Parce que mon but, à moi, c'est de jouer et que quand vous entendez ce que je joue, ça, ben vous entendiez aussi l'arrangement, quoi. Vous entendiez la backing track. Elle n'existe pas, mais elle se met en place dans votre tête. Normalement, si vous écoutez bien. Attention, il faut bien écouter. Non, je rigole. Voilà, enfin, c'est ce que j'essaye de faire. Maintenant, bon, je réussis, je ne réussis pas. Ça, de toute façon, ça ne tient pas que à moi. Hein. Il y a aussi vous. Est-ce que vous êtes réceptif à cette démarche-là, quoi. Je veux dire, la question, elle est là. Là, on parle de trucs. Mais ça, c'est pendant le confinement du Covid. Hein. Moi, tout ça, ça m'est venu dans la tronche. Parce que, voilà, bah, il fallait absolument que, comme tous les autres, hein, il fallait que je joue, quoi, sinon je meurs, hein, il n'y a pas de problème, il n'y a que ça, il n'y a que ça qui me tient en vie, il n'y a vraiment que ça, ma vie c'est ça, bon, voilà, point barre. Si je ne peux pas faire ça, je n'ai pas de vie, donc ça ne sert à rien. Bonsoir Clara. Maintenant, là, l'idée m'est venue, et voilà, alors je publie des trucs. Bon, alors, ça ne sera pas tout le temps comme ça, je ne serai pas tout le temps en train de jacter. Là, je fais, c'est un crash test en direct. Hein, bon, vous avez vu, le crash test est une réussite totale, il n'y a rien à dire, donc ben, je ne dis rien. Alors, je vais vous dire au revoir et je vous présente encore une fois de plus. Alors là, je vais vous l'amener gentiment, en gros plan, le Black Mamba. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah, j'enlève mes doigts. Et Black Mamba, messieurs, dames. Alors, c'est pareil pour la ligature. S'il y en a qui veulent savoir ce que... S'il y en a qui ça intéresse, qui sont curieux et tout ça, c'est pareil. Vous m'envoyez... En dessous la vidéo, vous mettez un commentaire et puis vous mettez vos coordonnées. Vous mettez un commentaire, c'est par exemple, qu'est-ce que c'est là, je vais le démonter, je vous montre ça tout de suite. Hein. Là, voilà. Alors, on va se mettre là comme ça pour que. Voilà. Voilà exactement la tronche de la ligature. Alors elle est faite sur mesure, hein, parce que là il y a une cale, elle a un angle et tout ça. Alors ça c'est fait pour ce bec là. Hein, c'est sur mesure sur ce bec. Hein, c'est-à-dire que celle-là elle n'ira pas sur un bec Guardala, Meyer, non sais qui, enfin. Des becs, il y en a en pagaille. En général, les grands maîtres musicaux, enfin, depuis à peu près les années, on va dire, allez, 80 à peu près, depuis les années 80, les gars se sont fait faire des becs. Et alors, comme, bon, si on prend Michael Brecker, lui, c'est les becs Guardala, et ils ont été développés par rapport à ses demandes à lui. Et donc, maintenant, tous les saxophonistes, ils veulent un Guardala. Enfin, tous, pas tous, mais tous ceux qui sont fans, adeptes de Michael Brecker, hein, attention, moi, je suis admiratif de Michael Brecker, il m'a beaucoup apporté en tant que saxophoniste. Ça a fait une espèce de petite révolution dans ma vie de saxophoniste. Quand j'ai vu ce mec-là, quand j'ai entendu pour la première fois et tout, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est ce gus. Et puis, voilà, après il y avait Bob Berg, après. Enfin voilà, il y avait du monde. Hein, et donc, chacun a son bec. Moi, je suis. Alors, j'en ai essayé plein. Hein. J'ai essayé les becs Van Doren. J'ai essayé. J'en ai essayé plein. En hein. 30 ans, 40 ans. Hein. Et puis, je suis finalement toujours revenu à l'autolink. Parce que l'autolink, il a un son. Quoi. Je veux dire, c'est le son du saxophone jazz. Point barre. Si c'est arrivé avec lui dans les années 50, 40, 50. Les mecs ils jouaient tous, ils jouaient avec des autolink,
Alors, il y a des variantes dans les autoligues, il y a des ouvertures hein, en général, dans les années 40, 50, les mecs, ils jouaient toujours avec une ouverture de 6, hein, c'était du petit, hein. De la petite ouverture, hein, donc ils n'avaient pas la grosse amplitude. Voilà, enfin, bon, c'était comme ça à l'époque. Et maintenant, voilà, maintenant. Je dis, il y a toutes les variétés de bec et tout. Mais moi, je cherche toujours, j'ai toujours cherché, mais je l'ai trouvé maintenant, ça c'est bon. Je cherchais ce son-là des années 40, 40, 50, quoi. Hein. Alors, en plus, le Black Mamba, il est violent, il cogne, il cogne, il cogne. Moi, faut que je l'adoucisse, quoi, parce que sinon. Il est trop violent par rapport à si je veux faire une balade crooner, lui. Donc voilà, donc c'est pour ça, c'est l'autolic, il corrige. Et avec une hanche, alors moi je joue avec du MQ. Elle n'est pas très connue, c'est pas les Daddario, c'est pas tous ces trucs-là, c'est pas les Rico, c'est pas. J'en ai essayé plein, hein, les rigozzi, tout ça, machin. J'en ai essayé plein. À chaque fois, elles allaient disons, dans le mauvais travers du Black Mamba, c'est-à-dire qu'elles l'envoyaient violent. Elles attaquaient sauvage. Voilà. Alors que la MQ, elle, non, elle fait sonner bois, il y a plus. C'est plus chaud, c'est plus. Voilà, c'est ça. Hein, parce que j'ai essayé les jazz, les V16, les tout ça. Alors là, j'en ai essayé des dizaines. Hein, bon, voilà. Donc, voilà, je suis arrivé à. Allez, je vais vous laisser parce que là, franchement, ça fait un peu long. Et puis, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la prochaine. On va repartir pour des vidéos là, régulièrement. Alors moins que ce que j'ai fait jusqu'à présent, parce que maintenant on n'est plus confiné, hein, donc plus une obligation. Mais voilà, je vous dis à bientôt.